Yes. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, j'avais fait une pause et puis là, vous voyez, je ressors les vidéos doucement. Hein. Honnêtement, je fais ça doucement, c'est parce que j'ai du temps, j'ai l'envie aussi, accessoirement. Alors, moi, je vous propose des petites vidéos en collaboration avec nos amis de chez... Alors, hop, c'est pas la bonne main, c'est celle-là. Nos amis de chez 2K qui nous ont gentiment envoyé une dotation ce mois-ci à nouveau. Des crédits, plein de crédits pour ouvrir plein de packs. Et en plus, j'ai remarqué deux, trois petites choses. On va pouvoir parler des petits changements que je viens de voir. Vous allez voir, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'avais pas vu. Alors, moi, je vais en parler en même temps. Et donc, voilà. Alors, donc, je vous propose un petit pack opening. Donc, c'est l'ouverture d'un pack, hein, enfin, concrètement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est encore les nouveaux, enfin, c'est encore les anciens overlays parce que, ben, le nouveau, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore fini. Donc, j'ai encore du boulot, mais vous le découvrirez en temps et en heure, les amis, en temps et en heure. C'est ça qui est important. Donc, on va ouvrir des packs, on va dépenser 10 000 crédits, les gars. Ouais, on va dépenser 10 000 crédits, je vous le dis. Donc, l'idée, c'est de dépenser des sous. Donc, alors, avant, regardez. Oui, je ne les ai pas, là, les 10 000 crédits. Hein. Alors, ils sont là. Regardez, voyez. Donc, la récompense défi, on va d'abord ouvrir ça. Donc, un ticket, bon, ben, on va aller loin avec ça. Ça, on s'en fout. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Voilà les 10 000 crédits. Voilà, donc un grand merci à 2K pour leur bienveillance et leur générosité, aussi incroyable soit-elle. Alors, on va aller là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la boutique change. La boutique change beaucoup, je trouve. Et je ne sais pas si vous remarquez, regardez, il n'y a plus les packs de base à 5000 en ce moment. Ils les ont enlevés pour mettre d'autres packs. Donc, on va voir. Alors, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas des masses de packs à ouvrir. Alors, je pourrais prendre ça. Je pourrais prendre ça pour aller chercher celle-là. Donc, ça me ferait une WrestleMania 39. Le problème que j'ai avec ça, c'est que bah, j'en aurais qu'une et elle ne me servirait pas à grand-chose en soi. Donc, dépenser 10 000 crédits pour une carte et qui concrètement me servira à rien. Je ne suis pas convaincu de l'idée, moi, personnellement, vous voyez. Du coup, je voudrais augmenter plus mes chances. Et moi, ce que je voulais faire, c'est ouvrir. Donc, alors, c'est ouvrir ça et quelques packs gros sacs. Donc, alors, il faut juste calculer. Donc, 750 multiplié par 5, ça fait 3750, ok? Donc, ensuite, et donc le pack à 1080, ça fait 1, 2, 3, 4. Et je peux ouvrir 5 packs. Je peux ouvrir les 5 là et 5 là. C'est bon comme pack opening. 5 packs de chaque, ça fait 10 packs en ouverture. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, je vais être honnête. C'est quoi les probabilités d'avoir une carte? C'est mince. C'est nul. C'est peu probable. Mais bon. Et il y a celui-là, le gros sac. Alors, le gros sac, il est pas mal. Il y a 12 cartes dedans. Donc, ça fait quand même 12. Donc, x 5, on est quasiment à 70-80 cartes. Bon, je dis pas qu'on a des chances de l'avoir, mais 80 cartes sur 1%, ça veut dire qu'il faut 100 cartes pour avoir au moins une carte. Avec 100 cartes, normalement, c'est censé avoir une chance. Bref, on verra bien. Je m'attends pas à des miracles parce que je vais être honnête, je vais pas, à mon avis, je vais pas avoir grand-chose de très intéressant, mais je me dis, on va quand même les ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir chacun leur tour. Un là, et puis on verra bien si on a de la chance ou pas. Alors moi, je vous propose de commencer par celui-là. Attention, pack numéro 1. Kevin Owens, Gunther et Rey Mysterio. Rien d'intéressant là, c'est pas terrible. Allez, on passe à celui-là. Le gros sac. C'est moi ça, c'est moi. Alors, WrestleMania 38, Kevin Nash. Austin Theory, WrestleMania 38. Charlotte Flair, WrestleMania 38. Akira Tozawa, Ronin. Ah, Mr. T, Octane. Bien. Ouais. Bon, c'est pas terrible. Bon, on a qu'une Octane intéressante dans tout le pack. C'est pas mal. Nouveauté. Donc ça, déjà, c'est pas... Vous voyez, c'est pas une pro, ça, de base. Donc, c'est pas mal.
Ok, pourquoi pas. Allez, on ouvre. On ouvre encore un comme ça maintenant. De la merde. C'est pas grave. Allez, celui-là. Shelton Benjamin, Royal Rumble 23. Yes, yes, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, trop bien. Après l'Octane, une WrestleMania. Oh, c'est trop bien. Et là, une pixel, je vois. Ok. Bah, c'est cool ça. Ouais, Shelton Benjamin. Ah, trop bien. Ça va mettre de côté pour l'instant. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on réouvre un gros sac. Ouais. Non, non. Je vois une Octane là. Damien Priest. Damien Priest. Je l'avais pas celle-là. Bon, rien d'intéressant là non plus. Là, toujours rien. Et là, toujours rien. Doit pouvoir encore en ouvrir un. Ouais. Non. Ah, une octane. Je vois une octane là. The Miz. Et ce sera tout. Pas mal. Là, il me reste quoi? 2000? Il m'en reste 2000. Allez, on va ouvrir un autre pack là. On va pas ouvrir toujours le même. C'est pas bien. C'est pas amusant. On va ouvrir un pack division. Un pack division à 1500 là. C'est jamais avec de la chance. Bon, à mon avis, on va se taper une 38 ou un truc comme ça. Allez, on ouvre ça. Et vous avez vu ça? Je vous avais dit. Une 38. Bon, eh ben voilà. Eh ben c'est franchement, c'est pas dégueu, hein, n'empêche. C'est pas dégueu ce qu'on a eu. C'est pas dégueu. Une WrestleMania 30, 23, une Rumble 23, c'est pas mal. Alors attendez, non, avant. Avant, on va faire ça. Ça. Là, alors. Je vérifie toujours maintenant avec le système de pro au catalogue. Là, c'est pas mal du tout leur truc. Ça permet de vérifier qu'on a. Vous voyez, là, par exemple. On vérifie. Elle est dans aucun deck, celle-là, vous voyez. Donc, si je la déverrouille. Ok. Il n'y a rien. Ok. Behemoth. Non. Rumble 21. Catalogue Pro. Aussi. Catalogue, ils ont dû grimper chez certains. Vous avez dû grimper. C'est un truc de fou. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, celle-là, bah oui, celle-là, ça passe. Milestorm. Ah, ça marche aussi pour cela. Ah, bah c'est pas mal ça. Faire une pro avec rien en face, c'est bien. Ça prend du machin, mais voilà, après, ça permet de faire monter le catalogue, je trouve, c'est ça qui est bien. Voilà. Ensuite. Coûte combien celle-là à faire en pro ici? 70? Ah, quand même, ouais. Non, on va monter plus haut dans les niveaux, on va aller sur les ésotériques. Dans les BCE, il y en a ou pas? Combien là? 85. Oh.
Oh les salopards. Non ben non. On va pas tenter le diable. Ça coûte trop cher. On va pas non plus se ruiner là-dedans. On va maxer déjà la WrestleMania 23. La Rumble 23, pardon. Hop là. Voilà. Parfait. Et après ça, on va arrêter là. Hein. Après avoir fini de charger tout ça, les amis, on va s'arrêter. Hein. Bah oui, attendez. Comment dire, on va pas pousser mémé dans les orties. Hop là. Voilà. Hop. Oh. C'est bon ça. Boum. Commence à prendre de la gueule hein, ce truc. N'empêche. Voilà. Voilà. Pas de casse momentum pour l'instant. Ça n'a pas changé. Et du coup, mon top 8, il commence à prendre un peu de gueule, hein, moi je dis. C'est pas mal, hein. Pas de combinable du côté des octanes, mais c'est pas grave, c'est pas mal du tout. Ben voilà, hein, on y est là, c'est bien. Faudra que je fasse ça, je vais mettre à jour tout ça, mais c'est pas si mal. Et ben voilà, on a fait notre petite pack opening. Grand big up à Touquet, merci beaucoup à eux pour le petit pack opening qui m'ont permis de faire ce mois-ci. Et oui, je vous avais vu, je vous avais dit que les vidéos allaient revenir un petit peu tranquillement. Là, pour l'instant, je vous le dis, j'ai pas encore décidé de le relancer, mais oui, j'ai créé une nouvelle équipe, c'est vrai aussi, qui s'appelle Chez Alex. Pour l'instant, je suis tout seul dedans, mais je vous tiendrai au courant dès que cette équipe sera de nouveau, sera à disposition du public. Ce qui, pour l'instant, n'est pas encore le cas, d'accord? Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des messages et me dire, Alex, est-ce que tu peux me recruter? La réponse est non, je peux pas te recruter. Bref, en attendant, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.